Benjamin Samat plus heureux que jamais, il lance un message à ses détracteurs. Benjamin Samat a récemment été la cible des critiques de toutes sortes sur la toile. Suite à cela, le candidat des Marseillais a tenu à faire passer un message très clair à ses détracteurs sur Instagram. Pour célébrer la fin du tournage des Marseillais versus le reste du monde 5, Benjamin Samat a dernièrement organisé une soirée barbecue chez lui. Et en invitant les sœurs Elimer à sa fête, le beau brun s'est attiré les foudres des internautes. En effet, ces derniers n'ont pas du tout apprécié le fait qu'il ouvre la porte de la maison où il vivait avec Alix à celle qui avait détruit leur couple. Suite aux nombreux critiques qu'ils a reçues, Benjamin a alors pris la parole sur Instagram pour pousser un gros coup de gueule. Ah oui, les amis. Je voulais vous dire que si vous pensez que ma vie vous appartient, vous vous trompez. C'est ma vie et ma maison. Et je fais venir qui je veux dans ma vie et dans ma maison aussi. Voilà, gros bisous, avait-il déclaré, et pour que les choses soient bien claires, le candidat des Marseillais a publié une nouvelle photo sur le réseau social. Debout dans sa piscine, il s'est affiché avec un grand sourire. Mood happy acticité, avait-il écrit en bas du cliché. En localisation, Benjamin Samat a marqué, ma vie, ma maison, une manière pour le jeune homme de tacler ses détracteurs. Ces derniers qui ne devraient pas tarder à réagir dans les commentaires, Benjamin Samat, LMDS Monde 5, victime d'un terrible accident, il se confie. Le jeune Marseillais s'est confié sur un terrible accident dont il a été victime. Pour en savoir plus, ça se passe ici, depuis sa rupture avec Alix dans les Marseillais aux Caraïbes, Benjamin Samat fait énormément parler de lui. Particulièrement apprécié par le passé, le candidat est désormais sujet à de nombreuses critiques de la part des internautes. Et cela n'est pas près de se calmer avec la prochaine saison des Marseillais versus le reste du monde 5. Une saison qui s'annonce plus explosive que jamais et qui risque de faire jaser. D'ailleurs, quelques jours après son arrivée, Benjamin Samat avait déjà donné ses premières impressions et avait confié ceci, ici, il fait super beau et on a une maison de fous furieux. Il y a des histoires dans tous les sens. La guerre est vraiment déclarée entre les Marseillais et le reste du monde, oh oui. Des rumeurs avaient laissé entendre qu'il s'était fortement rapproché d'Angèle sur le tournage. Pour le moment, nous ne pouvons pas encore vous confirmer ce rapprochement, mais tout ce que nous pouvons dire c'est qu'il a jeté son dévolu sur une autre candidate. Un couple qui ne plaît pas aux internautes, en effet, à notre grande surprise, nous avions appris que le Marseillais s'était remis en couple avec Marine Elimer. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Marine a été la prétendante de Benjamin dans la saison 5 des Princes et Princesses de l'Amour. Ils ont eu une vraie idylle, mais Benjamin Samat avait finalement choisi de repartir avec Mélanie Dedigama, pour qui il éprouvait des sentiments amoureux. Cette nouvelle a fait bondir les internautes qui ont qualifié Benjamin d'homme sans valeur, mais pas que. Océane Elimer, la sœur jumelle de Marine et également ex-conquête de Benjamin Samat, l'aurait très mal pris. Le couple est apparu ensemble à la soirée de ce dernier, dimanche dernier. Les internautes s'en sont d'ailleurs pris au candidat, et lui ont demandé la raison pour laquelle il avait invité les jumelles dans la maison où vivait Alix. Furieux de lire ses commentaires, Benjamin avait répondu ceci, « Ah oui, les amis. Je voulais vous dire que si vous pensez que ma vie vous appartient, vous vous trompez. C'est ma vie et ma maison. Et je fais venir qui je veux dans ma vie et dans ma maison aussi. Voilà, gros bisous. » Comme ça c'est dit, un tournage qui a viré au drame pour le Marseillais. Dans sa récente story, le jeune homme a révélé qu'il avait été victime d'un terrible accident sur le tournage des Marseillais versus le reste du monde. En effet, Julien Tanti lui a roulé sur le pied, avec une voiture de golf. Il était précisément à l'arrière de la voiture, mais au moment où Julien a voulu faire un dérapage, Benjamin est tombé, avant de se faire rouler sur le pied. On espère que tout ira mieux pour Benjamin Samat. Nous lui souhaitons en tout cas un prompt rétablissement.